C'est devant les autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Cuilou que le groupe Bolloré et ses filiales ont remis plus de 100 tonnes de denrées alimentaires et kits non alimentaires destinés aux personnes vulnérables en cette période de crise sanitaire, comme l'indique la responsable communication du groupe Bolloré au Congo. Nous avons porté une attention toute particulière aux couches sociales les plus fragiles qui sont grandement impactées par les mesures de précaution mises en place pour endiguer une prolongation de la maladie. C'est pourquoi nous mettons aujourd'hui à votre disposition des denrées alimentaires de première nécessité et des produits d'hygiène constitués de sacs de riz, de sucre en poudre, de farine de maïs, de pâtes alimentaires, de boîtes de sardines, de boîtes de lait, de boîtes de tomates, de packs d'eau mayo, de blocs de savon et de blocs de Pax. Près de 100 tonnes de denrées qui assureront l'accompagnement des populations vulnérables. Nous offrons également des kits télé Canal Plus avec un abonnement annuel et des abonnements internet haut débit par la filiale groupe Vivendi Africa. Tout ceci pour vous accompagner dans la supervision constante des actions mises en place. Par ailleurs, Congo Terminal, concessionnaire du terminal à conteneurs du port de Pointe-Noire, a donné priorité à la logistique des produits médicaux et de première nécessité, indispensable au bien-être des populations face à cette crise sanitaire. Les préfets de Pointe-Noire et du Cuilou ont pour leur part remercié le groupe Bolloré et ses filiales d'avoir répondu présent à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État. Une fois de plus, Madame la représentante, soyez-en rassurée que ce don que vous venez d'offrir aux citoyens de Pointe-Noire et du Cuilou arriveront aux destinataires et seront utilisés à bon escient. Une fois de plus, merci, merci, merci. Je voudrais m'associer aux propos de Monsieur le Préfet de Pointe-Noire pour également vous adresser mes vifs remerciements. Votre société principale ainsi que les filiales qui la composent. Aussi voudrais-je vous rassurer que ces dons d'une valeur inestimable viennent à point nommé pour les mettre à la disposition de cette population vulnérables qui, par la dureté de temps, la dureté du confinement, en ont grand besoin. Monsieur le Préfet de Pointe-Noire et moi-même vous rassurons que nous allons en faire bon usage. Une fois de plus, Madame la représentante, transmettez aux différents directeurs de votre société des filiales nos vifs remerciements. Et leur dire que nos portes sont ouvertes jour de jour comme de nuit, pour, n'est-ce pas, avoir, si vous voulez, un entretien, si jamais il le souhaiterait. Le groupe Bolloré poursuit ainsi son action de solidarité, lancée le 13 mai dernier à Brazzaville, en offrant une contribution de kit de protection au Comité national de riposte contre le Covid-19 via le ministère de la Santé. Notons que le groupe Bolloré est présent au Congo dans les domaines du transport, la logistique, la communication et le divertissement.